Monsieur le maire, Jean-René, côté Gilbert Tafada, merci de nous recevoir ici. À la paix nationale d'être là. Je suis très heureux de ce que je sensibilisation de la jeunesse. Engagée à nos côtés, une jeunesse engagée pour Ado et pour la Côte d'Ivoire. Chers jeunes, ça va être difficile de passer un message aujourd'hui. Chers jeunes, quand le président Ado m'a nommé Premier ministre, il m'a dit une seule chose. Je t'ai choisi, toi, un jeune, pour que tu puisses t'occuper des jeunes. Donc je suis Premier ministre pour vous. Je suis là et mon action va s'inscrire dans la considération que l'État, dans le soutien que l'État doit avoir envers la jeunesse. Et cela passe par des élections apaisées, à un environnement de paix. Beaucoup de gens parlent de la Côte d'Ivoire, mais ils ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire a changé. Ils ne savent pas que les jeunes de Côte d'Ivoire travaillent. Ils ne savent pas que les jeunes sont concentrés sur leur avenir, sur leur destin. Ils ne savent pas que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qu'on peut manipuler, c'est fini. Que la Côte d'Ivoire de la jeunesse qui prospère dans la violence, c'est fini. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils veulent du concret dans leur quotidien. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara vous offre. Son bilan est clair, son bilan est là. Chacun est témoin de ce qui a été réalisé pendant 10 ans. Pour la paix, la réconciliation, pour l'école, pour la santé,
Chacun est conscient que la Côte d'Ivoire a changé. Chers jeunes, n'écoutez pas ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, ils ne vous connaissent pas. Ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, ils ne vous connaissent pas. Et quand on aime son pays, quelle que soit sa position, au pouvoir comme dans l'opposition, il ne faut pas lui souhaiter du mal. Il y a des gens qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire brûler. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire à feu, à sang. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera en paix parce que vous avez dit non à la violence. Il faut leur dire, on peut manipuler quelques jeunes pour brûler un pneu. On peut manipuler quelques jeunes pour brûler un bus. Mais on ne peut pas brûler un pays. On ne peut pas tuer un pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne meurt jamais. Les hommes passent, mais le pays demeure. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne meurt jamais. Vous savez, nous les jeunes, vous êtes mes petits frères. Il faut que vous ayez des bons modèles. Alpha Yaya Touré est un bon modèle. Chers jeunes, vous savez, il y a des jeunes, quand on les soulève, quand on te soulève, tu crois que tu mesures 2 mètres. Quand on te soulève, tu crois que tu mesures 2 mètres. Mais quand on te dépose, tu réalises que tu ne mesures pas 2 mètres. Je répète, quand on te soulève, quand le président Ado te soulève, il te montre à la face du monde, il te montre à la face du pays. Il ne faut pas confondre. Tu peux croire que tu mesures 2 mètres alors que tu ne mesures pas 2 mètres. Et quand il te fait descendre, les blancs appellent ça qu'il y a le tournis, qu'il y a le vertige. Et quand il y a le vertige, tu bavardes au hasard. Mais nous, on est là, on est à Abidjan de ce terrain. Voilà. On est à Abidjan. On est en Côte d'Ivoire. On est sur le terrain. On est concret. Oui, il faut venir sur le terrain. C'est le terrain de la politique, de la mobilisation, des actes concrets qui parlent. Soyez sereins. Les gens vont bavarder jusqu'à... Ils vont bavarder. Mais non, on sera là. Le 31 après va se passer tranquille. Et puis après, on sera encore là. Ils vont changer de bouche, mais on sera encore là. Donc, chers jeunes, merci. Merci. Je vous demande de me faire confiance. Je vais travailler pour vous. Je vais travailler pour que les jeunes aient un réel avenir. Avec des programmes concrets, des projets concrets pour vous, au nom du président Alassane Ouattara. Non, là, toi, viens, ouais, viens. Viens, toi.
Ça va? Comment tu t'appelles? Fatim. Fatim, où tu habites? À Sikoji. À Sikoji. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je vends banane douce. Je vends banane douce. Vous savez, depuis que je suis assis, Dieu me fait la regarder. Depuis que je suis assis, je la vois et l'applaudis. Je me suis dit, je ne peux pas aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu fait que je la regarde là, c'est que Dieu a envie que je l'aide. Donc, Fatim, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs, c'est pas pour qu'on commence. Voilà, c'est concret. On aime les gens. C'est la route du bonheur, bien petit. Regardez-le. Donc vous savez, c'est pour vous dire que dans la vie, chacun aura sa part. Chacun aura sa chance. Et nous voulons partager ces opportunités. Et c'est bonheur avec vous, sans distinction. Jeune homme, ça va? Comment tu t'appelles? Bamé. Bamé, tu fais quoi dans la vie? Tu es un commerçant aussi. Bon. Bon, Bamé, ton grand frère. Le Premier ministre, au nom du président Addo, va te donner aussi 5 millions. Vous savez, il faut que l'argent soit au rendez-vous du travail et de l'effort. Aujourd'hui, c'est ces deux jeunes gens, doucement. Aujourd'hui, c'est des jeunes gens. Mais je vous promets que demain, après-demain, cette route du bonheur, cette roue de la solidarité va venir devant votre porte. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire du président Addo. Que la Côte d'Ivoire de progrès. Une Côte d'Ivoire où chacun aura une chance. Pour un avenir, je vous remercie.